Et bonsoir les gens, c'est Willy, on se retrouve pour l'épisode 8 de notre Let's Play sur Pokémon Let's Go Pikachu. Dans l'épisode précédent, nous avions emprunté l'Océane, le bateau qui se trouve à Carmin-sur-Mer, afin de faire une petite croisière, un petit entraînement où est-ce qu'on avait combattu beaucoup de gens qui se trouvaient sur le bateau. On a aussi combattu Régis, notre rival, qu'on a réussi à battre assez facilement. Ça a pu nous faire aussi un petit entraînement pour nos Pokémon, même si on n'est pas encore au top niveau. Faudrait peut-être que je entraîne encore un petit peu Reptincel, Pikachu et Herbizarre. Donc je vais peut-être aller en off, vous entraîner mes Pokémon avant d'aller affronter Major Bob. On verra ça. Et sinon, on va partir tranquillement à Carmin-sur-Mer. C'est qui elle? Mince alors. J'étais tellement concentré sur mon dessin que je n'ai même pas remarqué que le bateau avait pris le large. Comment tu vas faire? Elle me dit quelque chose, ce perso. Je pense que je vais rester ici pour le moment. La mer de Kanto est si belle, j'adore. Je sens l'inspiration m'envahir. C'est peut-être un tournant dans mon art, le début de la période bleue d'Oléa. D'accord. Bah je pense que ça pouvait pas être plus clair, hein. Je vais pouvoir aller à Carmin, enfin aller affronter le Major Bob. Je peux passer par là. Ah, Herbizarre fait... Herbizarre veut flairer les fleurs. Ok, mais je peux aller me balader là carrément. Bah, on pourrait peut-être s'entraîner 2 secondes, aller battre des Pokémon et tout. Je vais juste soigner mes Pokémon avant. Il y a de quoi faire des trucs intéressants, j'ai l'impression. Bon, cette fois on va se soigner pour de vrai, parce que ça fait 3 épisodes que je dois me soigner, mais que je me soigne jamais au son de Pokémon. Et là, mes Pokémon commencent à être un peu fatigués. Voilà. Bon. Ah, je me place bien sur ma chaise. Et on y va. Bon alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants à faire là-bas? Grotte Topiqueur. Ouah, il paraît que ce sont des Topiqueurs qui ont creusé ce tunnel. On va voir s'il n'y a pas... Peut-être il y a des Pokémon. Il y a un Pokémon que je cherche. Et ça pourrait être intéressant de voir s'il n'y est pas là. Ah, je peux pas passer. Désolé, mais l'accès est fermé au public. Les Topiqueurs ont creusé des trous partout. Ça va nous prendre du temps pour les combler. Tu pourrais peut-être aller défier le champion de Carmin-sur-Mer en attendant. Oui, je pourrais. Bon bah, visiblement, il n'y a pas le Pokémon que je veux. Enfin, un des Pokémon que je veux. On va l'affronter les dresseurs, du coup. Comme lui, là, le coach. Tu sais quelle est la meilleure route? La route 11, parce que qu'est-ce qui est mieux que d'être numéro 1? Être numéro 1 2 fois d'affilée. Ça te dirait de te mesurer à un coach, en vrai? Sans façon. Je veux pas abandonner, mais je veux mettre mon Reptincel en premier rang pour le combat. Voilà. Ouais, il me faut 500 XP pour level up. Allez. On se bat contre le coach, en espérant qu'il n'a pas des Pokémon trop forts, même si je pense que ça devrait bien aller. Zlatan. Ok, Zlatan le coach. Pourquoi pas, c'est original. Bon, tunnel, ça doit lui faire assez mal à Ratata. Hop. Il a raté ses 2 attaques. Par contre, il tank. Hein. Peut-être changer mettre Pikachu du coup. Pour faire un double pied. Parce que là, Reptincel va galérer de ouf. Donc hop, je balance le Pikachu. Je me prends un petit coup, mais c'est pas trop grave. Et là, On va faire double pied. Ah ouais, c'est qui tank, hein. Il fait très mal. Alors là, c'est un petit peu la panique. On va faire un tonnerre. En espérant que ça fasse un peu plus mal. Ça fait quand même assez mal, hein. Là, je pense que je peux le terminer avec mon double pied. Voilà. Si je fais ça. Ça met KO. C'est bon. J'ai eu un peu peur. Mais tout va bien. Ratata est KO. Je gagne de l'XP. Et on a battu Zlatan le coach. Balèze. T'es plus fort que je le pensais. Allez, comme je suis sympa, je vais te donner un truc. Des bonbons Pikachu. Donne un bonbon Pikachu à un Pikachu, il deviendra très fort. Tu peux obtenir des bonbons exclusifs à un Pokémon en particulier en attrapant des spécimens de son espèce ou en les transférant au professeur. Qu'est-ce que c'est? Ok. Bon bah, le bonbon Pikachu, on va le donner à Pikachu, logiquement. Oh. Ok, ça permet de le booster. Et j'ai pas de bonbon Bulbizarre, comment on fait? Parce que on dirait qu'il y a des bonbons comme Pokémon Go. Il y a un Soporifique. On peut attraper le Soporifique. En plus, il a l'air balèze celui-là. Allez, viens là, mon. Fuck. N'empêche, c'est cool de les voir, les Pokémon se balader comme ça, j'aime bien. Il m'a fait un peu délirer ce Soporifique à marcher. Il marche un peu comme un mec un peu pâteau. Mais c'est marrant. On y va, mais triche pas. Parce que je pense que ça peut apporter de l'XP de choper des Soporifiques plus que de combattre des dresseurs. C'est pour ça que je tentais de les choper tous. Ah, un Nidorino. Ça, je peux me le faire avec mon Reptincel normalement. Si je fais une attaque tunnel, je devrais pouvoir lui mettre des bons dégâts. En plus, comme ça, j'évite son coup de corne. Et paf, c'est le one shot. C'est bon. Et on a battu Eddy le gamin. Toujours plus de Pokéball pour nous. Et ce Soporifique est là. Comme ça, ça remplit notre Pokédex en même temps. Voilà. Bon. J'espère que je peux l'attraper. Ah, fuck. Je l'avais là. Excellent. Allez, est-ce que ça passe? On croise les doigts. Presque. Il faut que je mette une baie. Hop. Tiens. Ah, fuck. Voilà, là je pense que je peux l'attraper. Oui, vas-y. C'est bon, on a capturé un Soporifique. Ça fait 223 points d'XP, ça vaut largement le coup. Tous mes Pokémon level up, à part Reptincel qui est presque au niveau 19. On a la fiche Pokédex de Soporifique. Ah, Mistabé évolue. Ok. Pourquoi pas. Voilà, il évolue en Ortide. Donc deux Pokémon en plus dans le Pokédex. Voilà. Alors, Ortide, le Pokémon Racine. Il sent très mauvais, mais une personne sur 1000 aime l'odeur de son corps nauséabonde. D'accord. Et Soporifique. Soporifique, le Pokémon Hypnose. Si vous dormez tout le temps près de lui, il partagera parfois avec vous les rêves qu'il a dévorés par le passé. Mais qui vous entend bien à cause de ce truc, il est... flippant. En plus, il est bouché toi comme David Lafarge. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. J'espère que vous allez manger. Bon. Faut-on attraper un autre. Voilà, toi par exemple. Allez. C'est bon. Celui-là était facile à capturer, en même temps il n'était pas en taille maxi, donc je pense que ça simplifie un peu sa capture. On gagne quand même pas mal d'XP. Je passe au niveau 19. Voilà. Il y a un Roucool. On peut se faire lui. Je n'ai encore jamais gagné. Voilà. On va faire un ou deux combats. Encore. Il envoie un Goupix. Si je fais un tunnel, ça devrait lui faire assez mal. J'espère. J'esquive son autre folie au moins. C'est déjà pas mal. Ouf, ça fait très mal, oui. Voilà. Mais franchement, ouais, ça vaut largement plus le coup de capturer des Pokémon en boucle plutôt que de faire des combats de dressage parce qu'on gagne absolument pas d'XP, c'est un truc de ouf. Voilà, je chope un flacon de parfum. On va peut-être se battre contre lui. Et après, bah, je vais vous ellipser mes entraînements et pour vrai quand on sera devant le Major Bob. Parce qu'en vrai, faire des combats de dresseurs, je veux bien vous les faire avec vous. C'est un peu normal, mais capture des Pokémon, en vrai surtout c'est pour l'entraînement, ça fait vraiment je capture en chaîne sans parler. Donc autant vous couper ça, parce que ça va être très chiant et puis même de base c'est pas le truc passionnant à regarder. Sauf si c'est un capture de légendaire et encore c'est ça peut très vite devenir relou. C'est pour ça que j'aime pas trop faire des captures de légendaires avec vous en fin de let's play ou truc comme ça. À part capturer le légendaire de la version, genre OO dans Pokémon HeartGold ou Dialga dans Pokémon Diamant. Après on verra, peut-être dans d'autres versions j'essaierai de capturer des Pokémon légendaires. Peut-être ici j'essaierai de capturer genre Mewtwo et tout comme ça. On verra plus tard, selon mon courage. Sinon je le ferai en off chez moi, de pépère de mon côté. Voilà, Magnéti est KO. Il m'envoie un Voltorb. On peut continuer le combat. Je peux tenter un tunnel même si c'est un peu risqué. Voilà, il me fait météo. Mais ça va. Ah, je suis paralysé. Fuck. Allez, on retente. Voilà, je fais tunnel. Est-ce que mon deuxième coup va passer? Je serai un peu deck si ça passe pas. C'est bon, c'est passé. Et ça le one-shot pas par contre. Donc là, je vais faire une attaque griffe. Ou flamèche, je peux être sûr de finir. Je tank le... Ah! Bah là je vais être KO si je attaque, donc je vais prendre... Non. Je vais prendre une super potion. Voilà. Comme ça je peux tenir un autre coup et l'attaquer. C'est bon. On l'a touché, on l'a mis KO. Et du coup on a gagné ce combat. Mon Sablette level up. Voilà. Bon. Eh bien je vais aller capturer du Pokémon pour m'entraîner. Du coup, je vous laisse là. Et on se retrouve dès que mes Pokémon auront bien level up, seront au niveau entre 23 et 25. Surtout pour Reptincel en fait. Donc, à tout à l'heure. Et bien, du coup, c'est bon, j'ai entraîné un petit peu mes Pokémon. Comme vous pouvez le voir, je vous les montre tout de suite. Mes deux Pokémon, Herbizarre et Pikachu, sont bientôt au niveau 25. Quant à Reptincel, il est un petit peu en retard. Il est au niveau 21, mais bon, c'est pas trop grave. On va l'entraîner un petit peu et... au pire, c'est pas grave. Je pense qu'il devrait tanker et faire l'affaire. Du coup, salut champion en herbe. L'arène de Carmin-sur-Mer est juste ici. Si tu veux l'atteindre, il te faudra trancher le tronc de cet arbuste qui t'empêche d'avancer. Oh, mais je vois que ton petit Pikachu s'y connaît déjà en bûcheronnage. Bah si, essaye de trancher l'arbuste pour voir. Bah oui. Cet arbuste semble pouvoir être coupé. Voulez-vous utiliser la technique secrète tranchage? Oui. Paf. Et voilà. Alors là, je suis scié. Eh lol, comme le tronc. C'était du travail de professionnel. Maintenant que ton petit partenaire a tranché l'arbuste, il ne te reste plus qu'à partir à l'assaut de l'arène. Vas-y, je crois en toi. Allez, on va se le faire, ce Major Bob. Arène de Carmin-sur-Mer. Champion, Major Bob, alias Mister Survolté. Voilà, il me félicite. Je vais mettre Reptincel en premier rang, comme ça ben, je vais le faire combattre un petit peu. C'est une poubelle rouge. Ok. C'est pas un endroit pour les gamins ici. On va tous les battre, et après on va se faire le Major Bob. Peut-être que j'irai me soigner vite fait avant. Harold le marin veut se battre. Il envoie un Magnéti. Magnéti, c'est bon pour mon Pokémon. Pour Reptincel, je vais le one shot. Allez, Flamèche. Ça met presque KO. Deuxième Flamèche. C'est bon. Ah, tu m'as eu par surprise. Hop, on va faire le deuxième. Je suis un poids plume, mais je suis bon avec l'électricité. Kylian l'électricien veut se battre. Et il m'envoie un Voltorb. Voltorb, ça je peux l'avoir avec tunnel. Alors, tunnel. Ah, il est plus rapide que moi. Hein. Voilà, on se cache dans le sol. Ah, il se fait exploser. Normalement, je suis pas touché, moi. Non, j'évite l'attaque. Donc, c'était un combat gratuit. Il m'envoie un deuxième Voltorb. Non, je ne veux pas changer de Pokémon. On va faire une deuxième attaque tunnel. Avec un peu de chance, il va se faire exploser lui aussi. Ça va, il me fait des petits dégâts, mais c'est pas trop grave. Je me cache sous le sol. Ah, cette fois, il se fait pas exploser. Mais je le mets presque KO. Là, je fais un combo griffe et ça doit être fini. Hop. Je me suis un petit peu touché, mais c'est pas trop grave. Voilà. Ah, je suis grillé. Allez, on soigne son Pokémon. Quoique non, faut d'abord que je combatte l'autre gentleman. Que je soigne pas mon Pokémon pour qu'il se refasse blesser, hein, ce serait con. À l'armée, Major Bob était mon supérieur. C'était très instructif d'être sous les ordres. Si tu le dis, si tu le dis. Anatole le gentleman veut se battre. Il envoie un Pikachu. Alors, on va faire un tunnel. Il est plus rapide que moi, bien entendu. Ah, on le met pas KO. Il faut le terminer vite. Il se soigne l'enfoiré. Mais c'est pas trop grave. J'aurais juste à spammer tunnel. Oh, c'était pas mal ça. Allez, on refait tunnel parce que j'ai pas envie de retenter un combo griffe et de me faire avoir. Et j'ai eu de la chance, je me suis pas fait paralyser. Et là, on le met KO. Stop, tu as fait tes preuves. Voilà, bon, c'est où qu'on éteint l'interrupteur. Ah! Allez, faut en activer un deuxième. Oh, sérieux? Là, je trouve cette preuve un peu bizarre. Faut fouiller les poubelles pour gagner. Allez hop. Non, pas toi, Abizarre. Oui, casse-toi. Ok. Donc le deuxième, c'était celui-là. Et voilà. Du coup, je vais soigner mon Reptincel. Hop. Voilà, je récupère 32 PV. On va sauvegarder. Voilà. Et on peut se faire le Major Bob. Bienvenue à l'arène de Carmin-sur-Mer. Ici, on pose son barda et on se prépare au combat. Ma parole, un rookie qui débarque, c'est la journée porte ouverte ou quoi? Tu oses me défier avec ton petit niveau? T'as pas froid aux yeux, soldat. Qu'est-ce que tu crois? Les combats Pokémon, c'est la guerre. Compte tes dents, tu vas morfler. Mes Pokémon électriques vont t'atomiser. Et ben c'est ce qu'on va voir. Je t'ai défoncé en HeartGold, donc je te défoncerai aussi dans Pokémon Let's Go. Ok, il commence avec un Voltorb. Du coup, on va faire tunnel. Ah, il fait déjà Tonnerre. Ouf, ça fait mal. Ça fait très très mal. Mais moi aussi je fais mal. Ah mais là je suis un peu dans la merde, du coup je vais me faire mettre KO. On va déjà utiliser une super potion. En espérant qu'ils me mettent pas KO avec un deuxième éclair. Mais il fait mal hein. Bon bah on va changer de Pokémon. On va mettre Herbizarre, j'ai envie d'essayer. Même si j'aurais dû mettre Pikachu en fait, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, Vampigraine. Je sais que je pourrais le finir, mais au moins, s'il se soigne, je pourrais profiter de la Vampigraine à fond. Et même à ce tour-là, ça me le laissera à portée de KO. Voilà, là je pense avec mon Fouet Lianes je peux le finir. Du coup, hop, Fouet Lianes. Il me refait un tonnerre. Et là, paf, il est KO. Il m'envoie un Magnéti. Ah bah là, faudrait que je remette mon Reptincel, mais il a pas beaucoup de vie. Mais on peut essayer. Et du coup, faut que je le re-soigne. Ça, c'est chiant. Parce qu'en fait, j'ai peur que s'ils me mettent une attaque tonnerre, bah je tombe KO instant. Et moi, j'ai envie d'entraîner un peu Reptincel. Du coup, hop, la super potion. Et là, s'il me fait un tonnerre, j'espère pouvoir le tanker. Je peux pas le tanker, c'est ouf. Bon bah tant pis. On va mettre Pikachu. J'aurais essayé de jouer avec Reptincel, mais bon, il est pas assez fort pour l'instant. Il manque de défense et d'attaque. Bon là par contre le tonnerre ne me fait rien. Et là moi je fais le double pied qui devrait pouvoir... peut-être one shot Magnéti, on peut espérer. Non, pas du tout, j'ai rêvé. Mais au moins je tank. Hein. Par contre, j'ai peur pour son troisième Pokémon. Parce que son troisième Pokémon, c'est un Raichu. Et ça rigole pas. On va garder Pikachu pour l'instant. Même si ça va être compliqué. Hein. Là c'est un peu le combat épique. Le combat de l'animé. Paf. Ah oui il tombe de ouf là. Ok. On va attaquer souplesse. Ah oh putain, il a évité mon attaque. Et je suis KO. Désolé Pikachu. Alors on va jouer Herbizarre. J'ai une technique qui pourrait peut-être fonctionner. Donc il faut que je pose la Vampigraine. Ah il est rapide hein. Mais au moins j'ai posé la Vampigraine, comme ça, je vais bouffer un peu sa vie. Et là je peux faire un Fouet Lianes. A priori je tank son prochain coup. Voilà. Et là je peux le blesser un maximum. Peut-être même qu'au prochain tour il est KO. Avec un peu de chance. C'était limite. Et là il est KO. Ah, c'était compliqué hein. Ok, faut qu'on s'entraîne pour la prochaine fois. Herbizarre à level up. Reptincel aussi. Soporifique mais il est pas vraiment dans la team. Il apprend yoga. Yoga on s'en fout un peu non? Ouais non. Ah Sablette va prendre tunnel, ça c'est pas mal. À la place de griffe. Voilà. Et on a battu le Major Bob. Impossible, t'es vraiment trop fort gamin. Waouh, t'iras loin toi. Très bien, prends le badge foudre, c'est m'a été. Et hop, le petit check avec Pikachu. Le troisième badge. Et c'est pas tout. Quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi mérite bien de recevoir ceci en bonus. Prends-en soin. Une dédicace de Bob. Ok. C'est quoi si t'as déçu? T'attendais autre chose? Ah, je blague soldat, tiens cadeau. Ok, là c'était Tonnerre. J'ai déjà Tonnerre sur mon Pikachu, donc j'en ai pas tellement besoin. Mais peut-être pour mon prochain Pokémon, parce que j'ai deux Pokémon qui peuvent potentiellement l'apprendre. Il y en a un, c'est sûr, l'autre je sais pas. Donc ça peut être intéressant. Ça c'était 36 contenant Tonnerre. Ça dépote à 10 000 volts. Enseigne là un Pokémon électrique. Ok. Bon. Eh bien, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre let's play sur Pokémon Let's Go. Et d'ici là, à la prochaine.